Glenn Gould a été le premier pianiste à s'intéresser aux variations Goldberg. En fait, le premier pianiste à arriver à les jouer au piano, ou à être déterminé à réussir à les jouer au piano, parce que ce n'est pas évident. Évidemment, au clavecin, c'est écrit pour deux claviers. Alors, ça crée toutes sortes de problèmes au piano. On a tellement de croisements de mains. Encore là, les croisements, ce n'est pas ce qui est le plus difficile. Ce qui est le plus difficile, c'est quand on a les deux mains littéralement une par-dessus l'autre. On se fait des nœuds dans les doigts. C'est très compliqué à apprendre les Goldberg, en fait. Juste l'aspect technique au tout début peut prendre vraiment des mois avant qu'on arrive à contrôler le son dans tous ces croisements de mains, tous ces passages qui sont en fait écrits pour deux claviers. Réussi à maîtriser tout l'aspect technique, en fait, toutes ces notes, le contrepoint, à comprendre comment la musique est écrite, ça prend un certain temps. Finalement, on peut le jouer en concert, et puis c'est là pour moi que cette aventure-là a vraiment pris son sens. Parce qu'on a l'impression de faire un voyage immense d'un aria à l'autre. Parce que, bon, évidemment, l'œuvre commence avec le célèbre aria. Et puis, on a 30 variations et à la toute fin, on a l'aria qui revient. Et puis, on a l'impression d'avoir parcouru un chemin tellement immense quand ce thème revient finalement qu'on ne le reconnaît pratiquement plus comme interprète. On vient de jouer 30 variations, tellement de contrepoints, 8 canons énormes, tous sur la même ligne de basse. On retrouve cet aria à l'état pur et puis... on s'émerveille d'une façon complètement nouvelle.